j'espère que les petits fantômes vont pas respawn. Ça c'est une dalle. Putain mais c'est une vanne frère. Tu peux les toucher avec les super missiles. Bon, c'est quoi ce délire? Je comprends pas. Ah mais je suis con, d'accord. Je suis con. My bad, I'm stupid. C'est bon, je l'ai trouvé. Allez. 3 artefacts, boss de fin, terminé, merci, bonsoir. Bisous. Ça fait 5h27 que je joue, putain. Ouais, mais je vais le finir ce jeu. J'ai mieux fait d'aller à la surface de Talon puis. Non même pas. Quoique si hein. On va prendre le long chemin. C'est un raccourci. Pas du tout.
On va y arriver, hein. On va y arriver. Moi j'ai envie d'affronter Ridley ce soir, j'ai pas envie d'attendre 3 ans, 3 ans et 24 000 heures. Non, non, non. Ça se termine ce soir. Je vous le dis. Comme ça après, c'est fini. On va aller sauvegarder un petit coup. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Trop déterminé, il pense pas finir à 21h s'il... Il pense pas finir à 21h s'il veut finir le jeu. Exactement. Je suis ici pour finir le jeu. C'est tout haut. Même si ça me prendra un million d'années de ma vie. Pas du tout. En vrai, je vais devoir les manger un moment. Ok. C'est le plus rapide. Qu'est-ce qu'il est labyrinthique ce jeu? Mais moi j'aimerais bien jouer à Metroid, aux autres Metroid. Problème étant... C'est pas un vrai problème. Le souci étant que si déjà sur Prime je galère, alors les autres j'imagine même pas. Des pas, ils mettent des fantômes partout maintenant. Ils mettent des fantômes partout. Faut que dans moins de 10 minutes j'ai fini. Donc j'espère que le jeu sera fini. Je déconne, hein. Bien sûr. C'est quand même le plus worst d'aller aux cavernes de Magmour direct. Faut que je le trace aux cavernes de Magmour. Je peux monter là? Non. C'était mon chemin. Eh ben la longue way, hein, par là. De toute façon après il suffit de retourner au Winchoso. Pas au Winchoso, à la surface de Talon 4. Déposer les trucs, battre le boss, terminer le jeu, merci, bonsoir. J'ai quand même beaucoup de vie là. Je suis bien équipé, hein, si vous voulez mon avis. Pour aller combattre Ridley. Ridley, hein, parce que c'est Ridley Scott, hein, donc c'est la ref. Donc Ridley. Peut-être pas top du top, mais en ce moment, mais pas. A voir. Oh vas-y. Vas-y, laissez-moi monter. Merci. Non, c'est bon. Je veux pas aller vite, je veux juste y aller. Allez go. Je sais pas combien je suis de... Avec cet ascenseur, je sais pas combien je suis du premier ascenseur pour les hauteurs, mais bon. Ça va le faire. Ah ouais. Ok.
me rappelle même plus de cette zone. Hein. C'est pour dire. Sérieux? Merci. Attends. C'est ça. Donc là, il faut que j'aille à gauche. Il y a des pirates, c'est pas grave. Tout va bien. Ne pas toucher le gaz. Donc là, il faut aller à droite. C'est ici que j'ai récupéré le premier artefact chevau. C'était dans cette zone. Au début, je comprenais pas ce que c'était, je t'en demandais c'est quoi cette merde. Il me semble. Je comprenais pas quoi ça servait. Après, la réaction était filmée. Outil 4K. Comment ça je prends 4K? Et oui, ce stream est de la 1080p ranked. La résolution des gagnants. Alors, on va reprendre notre petit guide. Artefact. Donc ancien. Tour de contrôle. À la tour est. Ok. Let's go. Ça doit être ma zone préférée ici. Mais je suis pas beaucoup resté. Mais c'est celle que je trouve le plus jolie. Metroid ? Je sais pas ce que c'est. Bon alors. On est pas. Moi je vous dis on est pas sorti avec ce jeu, parce que. Si après. Putain. Il me saoule les mobs d'ici. Surtout celui-là. Il t'empêche de faire des sauts. Ok, donc là il faut qu'on rejoigne le labo. Qu'on rallie le laboratoire. Bah, bagadou. Oh putain. C'est vrai qu'il s'est libéré. On va monter sur la flotte. Hein.
Par là. Par là. Je suis censé passer par où? Ah. Je comprenais pas où je devais aller. Et... Parce que je savais qu'il y avait un étage, mais. C'était à l'époque où on venait d'avoir le rayon. De la mort. Le rayon laser là. Nous le ferons grave utiliser. Aïe. Non mais barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Putain, quand même, je cours à travers les ennemis, je m'en fous. Il n'y a plus rien à faire. Lâchez-moi! C'est... Barrez-vous! Mais barrez-vous! Mais putain, vous voulez vraiment que je vous trucide? Ma parole! Vous voulez vraiment mourir, hein? Barrez-vous, je vous ai dit. Oh, et en plus, il y a eux. Je vais pas mourir quand même. Faut vraiment les tuer. C'est sérieux. Les mobs qu'on peut pas voir, les mobs qui sont dégueulasses. Oh, ça me... Pire mob du jeu. Bon, ça va. Putain, le screamer Samus, par contre, il était efficace là. Me dis pas qu'il faut que je redéplace toutes les plateformes. Faut que je réactive toutes les plateformes là. Vous allez me faire chier. Je sais plus. Je sais plus comment je monte. Dans mes souvenirs, il fallait activer des plateformes, mais je crois pas. Peut-être qu'il faut juste le double saut. Ouais, maintenant que je suis là. Oh
En haut, c'était le moment où il y avait le gros fight de la mort. Alors j'espère qu'il n'y a plus les ennemis parce que sinon c'est chiant. Non, pile de combustible. Ah voilà. C'est bon, on a tout pété. Yes. Let's go. Wouh. J'espère que Ridley c'est pas un boss dur, hein, parce que sinon on est pas dans la merde. Soleil. Soleil. Temple de glace Chozo. C'est où? C'est ici. Faut que je continue d'avancer. Je pars comment? Voilà. Ok. Allez, on continue d'avancer. Faut prendre cet ascenseur. Il faut jamais s'arrêter, il faut toujours continuer. Faut pas reculer. Je cracherai pas sur le sauvegarde. Encore ! C'est un miroir ce truc. Vois-moi. Vois-moi toutes les portes. Toutes les portes sont chez moi. Merci. On est ici. Ça c'est une zone qu'on était, où on était en début de stream. J'ai l'impression que ça fait un million d'années que je l'ai pas vu. Par là. Un peu d'énergie. Oh nice.
Ah, des PV, moi je prends. Je suis à 3 barres d'avoir tout, d'avoir un full stun d'énergie. Ça c'est cool. Allez. Ici y a pas de fantôme, c'est un gros mob à la con qui spawn. Attends, en vrai. Faut que je regarde parce que peut-être que l'autre il est par là où je passe. Donc c'est quoi? C'était soleil et l'autre c'est esprit. Grotte de stockage. Grotte de stockage. Grotte de stockage. Attendez. C'est à l'arrêt du Penrada. Oh la vache. Non, on va d'abord aller à l'arrêt. Attendez, je préviens juste un truc. Comme ça on peut finir le jeu. J'ai l'impression qu'elle est pas blanche, j'ai l'impression qu'elle est une autre couleur là. Plus du gris. Peut-être un effet d'optique avec la neige. En tout cas j'ai l'impression qu'elle est gris. Ce serait bien. Exactement. Ça fait plaisir. On va sauvegarder. Ouais, elle est grise la tenue là. Parce que ça brille dans la couleur du sol de autour de toi, je pense. Du coup, comme là c'est un peu du blanc, ça doit ressortir un peu gris. C'est chromé en fait. Enfin, entre guillemets. Chromé en teinte noire quoi. Chromé foncé. Je sais pas comment expliquer, c'est nacré chrome. C'est noir nacré chrome. J'invente des couleurs. Ok, donc là il faut monter tout en haut et après il y a le truc. Ah
à l'aide du grappin. J'appuie sur saut, mais il est sérieux ce putain de jeu. Quand t'es sur une arête ou un rebord, elle saute pas. Ça, je suis désolé, mais c'est un bug. À un moment, faut arrêter les conneries. Quand t'es sur un petit rebord, comme ça, elle saute pas. C'est trop bizarre. Je spammais la touche de saut. Non, mais là, c'est trop. Je spamme toutes les touches. Hein. Je spamme le grappin, je spamme le saut. Quand vous voyez tomber comme un gros caca, c'est juste que le jeu, il a... Non, c'est une blague. Ah, c'était peut-être moi. J'ai peut-être lâché le bouton du grappin. J'admets que là, c'est moi. Mais le double saut là, de tout à l'heure, c'était pas moi. J'ai spammé la touche de saut. Le streamer au bout du rouleau crack, exactement. Mais. Bah, frère. Elle veut plus. Elle a dit qu'elle refusait. Elle fait grève. C'est l'âge de la retraite des chasseurs de primes. Y'a le Mando. Y'a Mando qui va se ramener là. Bah, en plus, j'ai un t-shirt Mandalorian. Je vais vérifier en faisant. Me bouffon. Très beau t-shirt, je demande. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Là, je qu'on m'explique. Je fais rien de mal. J'appuie sur L. Putain, j'ai les mains qui glissent. Tel le 15 de France. Elle te dit, va manger Charles, qu'est-ce que tu fous? Non mais je mange après, c'est bon. C'est quoi manger? Putain, pourtant j'adore manger. Ça se voit en plus. C'est bon. Ok. Samus, tu ne déconnes pas. L'artefact est là. Eh? Non mais je m'en fous. Je m'en fous de ça. Wesh. Attends. Ah. Attendez. Apparemment non, c'est pas ça. Il y a une porte. Et où? Bah, je veux bien qu'on m'explique. Parce que moi, je la vois pas, votre partie. J'ai appuyé, je spamme le saut, putain. Des fois, elle veut juste pas, je comprends pas. Là, elle voulait pas. J'ai appuyé, elle voulait pas. Vous avez vu, j'ai fait un mouvement de recul parce qu'elle ne voulait pas. Mais des fois, elle veut. Putain, mais je comprends pas. Elle est où la porte? Mais elle est où la porte? Attends. Ah,
Artefact de l'esprit. Attendez, je regarde. Je regarde une vidéo parce que je deviens fou. Ça va m'énerver ça aussi hein. Le grappin qui grappine pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait j'ai l'impression que les mécaniques là, soit c'est moi qui les utilise mal, soit elles sont mal torchées. Il y a bien une porte, hein. Je sais où elle est. La porte, elle est là. Pardon ? C'est quoi ça ? Pas le bon mec. Il est là, là, t'as fait. Ok. Allez. On va buter Ridley. Oui, 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 oui. Alors, on va tuer Ridley, là, c'est bon. Donc, maintenant, il faut qu'on se dirige. Soleil. Temple de glace chaude, où il faut que j'aille. Donc le temple de glace chaude, il est ici. Ok. Alors on va essayer de faire vite, faire vex parce que là c'est chiant. J'ai envie d'affronter un boss. Là on fait que se balader dans les levels hein. Tu vois, ça aurait été bien s'il l'avait dit clairement dès le début. Votre but c'est de retrouver les ruines, putain j'avais parlé. Les artefacts Chozo. Parce que bah, j'aurais commencé à chercher les artefacts Chozo. J'aurais pas commencé à chercher des items. J'aurais utilisé les items pour avancer, ça certes. J'aurais mieux chercher. Thank you.
Peut-être il y a bon petit. Mais ça c'est mon côté game designer. L'enfoiré. Pas du tout. Le pire game designer du West. Le souci c'est que la moitié des artefacts sont bloqués derrière les power up de late game, donc je peux même pas pré-shot. C'est ça. T'es obligé de backtrack. En fait c'est backtrack the game, hein, pour de vrai. Hein. Tout à l'heure on en rigolait, mais c'est réel. C'est backtrack le jeu. Voilà, normalement, quand t'aimes un, c'est t'aimes l'autre. Ouais, on y va à la fin. J'ai pas eu, je te play. Les portes sont ouvertes. Donc là, c'est à droite. Putain, on va finir mes trucs là. J'en reviens pas. Le jeu, il a quasi 20 ans. Je crois qu'il est sorti en 2004. Et en vrai, c'était du génie. Hein. Bah, les Metroid aiment beaucoup faire aux joueurs un grand dernier tour de tout le monde de jeu avant le boss de fin, mais certains jeux le font d'une meilleure façon que d'autres. Moi j'ai très envie de jouer à Super Metroid. J'avoue, les graphismes et tout sont. Les graphismes et les musiques sont très affreux. Ah, il m'a damage boost. Ou bien le saut était précis. Il me faut le rayon passe pas. Ces trucs là on peut pas les tuer en fait hein. Ah oui c'est vrai, je me rappelle. J'avais dit mais comment on enlève l'eau Comment on met l'eau? C'est ça que j'avais dit. Pardon. Ah, du coup, j'ai trouvé. Voilà. Le dernier artefact est là. T'es sérieux quoi? Mais wesh! Elle veut pas! Mais merci. Le dernier artefact. Ça y est. C'est parti pour Ridley. Ouh la boss de fin. Oui. Allez on va au boss de fin. C'est parti. Maintenant c'est que du sérieux. Allez c'est parti. On aurait dû aller en premier celui-là. Je déconne. C'est pas grave. N'oubliez pas, moi mes let's play c'est no bullshit. Si je cheat, si ça me saoule, je triche, m'en fous, c'est bon, moi je suis un vrai joueur. Hein. Je suis pas le genre de mec à rester bloqué pendant 40 minutes sur les énigmes. Ou je passe Skyheart à Towercraft 2. C'est la blague, hein. Des gros bisous, bien sûr. Sky le boss. Thank you.
Allez, c'est parti pour la fin du jeu. On y va là, on y va. C'est bientôt fini. C'est la fin. Caverne de Magmour. Nous y allons. Pas le temps. Je vais faire une sauvegarde au une dernière sauvegarde au vaisseau. Je vais prendre le double saut là. Combien de temps ça fait que je stream? 6 heures. Ouais bah au moins j'aurais terminé Metroid. Ouh. C'était pas pour un artefact ça là-bas? Bah si. C'est pas là que je vais aller en dessous. C'est là. J'ai confondu. C'est un stream marathon là, plus rien n'arrête. Ouais bah ouais. Je lance le 2 là après. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis un menteur. En fait j'aimerais. J'en ai marre de stream des jeux. Puis après de relancer d'autres streams pour continuer les streams. Parce qu'en fait, j'ai tendance à pas finir les jeux si je les fais pas d'un coup. Du coup je préfère faire des longs streams où je finis le jeu. Plutôt que des tout petits streams où vas-y bah on voit pas le monde. Oh bah une petite baignade dans la lave. C'est pour ça que Tomb Raider là je les ai torchés en 2-3 streams. Tu vois comme ça je suis tranquille. J'ai fini. Enfin je suis tranquille. Plutôt je l'ai fait, tu vois, je suis content, j'ai terminé le jeu. Plutôt que de vraiment mettre 40 ans à faire le jeu et puis voilà. Ça m'est venu après avoir fait le let's play de TOTK où vraiment j'ai joué 4 TOTK pour le terminer et en vrai bah, c'était bien quoi. Comme ça moi j'avais fini le jeu, j'étais pas tranquille mais tu avais fini en dehors? Non pas encore, c'est dimanche qu'on finit en dehors parce que là j'avais pas envie de jouer Tomb Raider. Dimanche on finit Underworld dimanche après même. Faut se projeter, c'est loin. Ok, on arrive. On va sauvegarder au vaisseau et on va l'affronter Ridley. J'annonce. C'est parti. Sauvegardons. Et après Underworld, je pense que je vais faire les deux petits jeux vus du dessus là. Et après on fera les survivants. Ou alors peut-être que je ferai les deux jeux vus du dessus, les jeux portables et après je ferai les survivants. Je sais pas. Parce que j'ai envie de jouer aussi aux versions DS et aux versions DS de Tomb Raider Underworld et tout. Voir un peu ce que ça donne. Toutes ces conneries. Allez, on y va. Je suis presque full life hein. J'ai bien exploré quand même hein. Allez c'est parti. J'ai presque toute la vie dispo. Combien il y a de réserves de missiles max? On sait pas, je sais pas. 150 peut-être. Telles les étoiles de Mario. Et ils font du teasing là. La porte elle s'ouvre pas. C'est parti. La fin du jeu.
250 missiles. Wouhouhou. Putain, ça fait beaucoup. Oh putain. Ça y est. C'est parti. Il est là. C'est lui. Ridley. Ridley. Il est là, Ridley. Le boss de fin. Le big boss. Oh non, il a tout pété. Oh l'enfoiré. Il a pété. Mais comment je tue ? Un méta Ridley. Faut juste le taper. Il s'agit d'une formule légèrement modifiée de Ridley. Ressuscité et perfectionné par l'équipe scientifique, Meta Ridley est une créature très redoutable. Son armure extrêmement résistante assure une protection optimale sur l'ensemble de son corps, à l'exception de la poitrine. Les pirates lui ont intégré plusieurs armes puissantes, telles que des systèmes multimissiles, le souffle cinétique, le lanceur de bombes et le projecteur de flammes ultra thermique. La musique. Ah, c'est la musique de Ridley de tous les temps. J'ai pas la ref. Après, c'est le premier Metroid que je finis. Je finis. J'ai pas un rapport. Oh, il part loin. C'est tout ? Là, je m'attendais à un boss plus dur. Voilà, c'est là que le vrai combat commence. Bonne. C'est un menu maxi best-of de tous les boss qu'on a eu pour l'instant, j'ai l'impression. Il fait des ondes de choc à la... au boss final qu'on avait... enfin au boss juste avant, il fait des... il fait des va-et-vient en mode... en mode le premier boss. Où il pouvait te toucher si tu faisais... si... en faisant des va-et-vient. Trop loin par contre. Bon, y a pas le délire de mettre des bombes sous lui. Il a de la vie, hein. Il est pas spécialement dur, hein, vu qu'il a beaucoup de vie. Méta réglé. On va le faire. Ça va le faire. Limit life. On va le first try, je pense. On va le first try, je pense.
Oh, le lance-flamme, ça le met bien. Ça le touche bien. Me barre pas. Putain, on se fait chier à rassembler tous les artefacts pour qu'au final il les pète tous. Ça dégue. Hein. Par contre, ça, ça vraiment, ça dégue. Hein. Il veut pas arrêter ces conneries. Mais pourquoi il est pas dur ce boss? Je m'attendais vraiment à un boss dur quoi. Mais il était plus dur le deuxième boss? Enfin, le troisième boss? Non, le dernier boss, l'avant-dernier boss. Il était plus dur. Hein. Bah ça va, il faut juste se bourrer. Bon après on est full life aussi, il y a 20 rapports. Il n'y a pas de vrai strat quoi. C'est pas un boss concept, c'est juste un boss. Ah attends, à moins que... Là il va péter, on va aller dans le cratère en dessous. Ah non, on peut plus voler. Ah voilà. Ah voilà. Ouh le dash. Il peut sauter haut quand même. On va le battre je pense. Il a une façon de se battre typique Ridley ou... Ridley pardon. Ridley. Alors c'est moi qui fais le truc qui dit pourquoi il fallait l'appeler Ridley. Mais il est là-dedans, en général. Ok. Il y a une dernière phase ? Ah oui quand même il tape fort. Ah oui il tape très fort même. Sur la fin. Oui. Je vais pas mourir. Mais midlife avec sa patte.
Là, c'est dur, hein. Je le gratte, mais... ça suffit pas. J'ai la strat. Putain. Il veut pas mourir. Il veut pas mourir. Pourquoi? Pourquoi il veut pas mourir? Quoi cette arnaque? Il est low à l'infini? Attendez, je me focus. Putain, mais je vais pas mourir! Mais il est loin à l'infini, l'enfoiré! C'est pas gentil! Il veut pas mourir! Il veut pas mourir! Qu'est-ce que... Just die! Just die! Mais meurs! Mais juste meurs! Mais meurs! Il est atroce ce combat, mais meurs! Meurs, bon sang! Va mourir! Je vais pas mourir. Moi. Oh non. Oh putain. Oh, sur la fin, je me suis chié dessus, hein. Je vous le dis, hein. Sur la fin, j'ai cru que j'allais mourir. On a fini le jeu. Ouais, t'es mort. J'ai tué Ridley, putain. Ridley. Je m'en fous. J'ai tué Ridley. Ah, c'est pas grave. Oh, les fantômes de la mort. Les fantômes viennent me sauver. Samus, tu mérites le trésor. C'est quoi? C'est quoi? Ah. J'obtiens je sais pas quoi.